Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Bienvenue dans la playlist de rattrapage de points faibles et aujourd'hui nous allons faire les biceps. Si tu veux un gros biceps, avoir un bon pic, cette vidéo est faite pour toi. Attention, je tiens à préciser que ce programme est vraiment avancé, il est dur. Donc si t'es débutant, tu risques d'avoir du mal, d'accord, à le faire. Mais attention, je vais pas t'interdire de le faire, tu peux le faire. Parce qu'on va tous devenir professionnels ou experts en musculation. Quoi qu'il arrive, tu commences tout en bas, tu finis en haut, d'accord? Mais accroche-toi, parce que ça va être dur, ça va être vraiment dur. Ce programme est destiné à ceux qui veulent vraiment développer leurs biceps, ou alors ceux qui ont un retard au biceps comparé aux autres muscles. Ce programme va être fait sur 3 ateliers d'exercice avec Alter. Donc prépare-toi, prépare ton eau, moi je prépare mon matériel, et on commence. Premier exercice, très dur, il fera très mal. On va faire 3 curls, d'accord? Je vais prendre des haltères, curl biceps en prise large, 10. Curl biceps en prise largeur des épaules, 10. Curl biceps serré, 10. D'accord? On va faire ça 4 fois. Ok? C'est parti. Hop. Allez, large. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se rapproche niveau épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Serré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop, je mets mon temps de repos et mon petit trait. Alors là, ce que je viens de faire, c'est un gros exercice, d'accord? C'est un exercice qui va te mettre dans le bain directement. Et comme je t'ai dit, dans tous mes programmes biceps, les biceps récupèrent vite, d'accord? Donc, j'ai un peu froid, donc je m'échauffe un tout petit peu encore plus pour me chauffer. Donc, tu vas pas prendre une minute de repos, d'accord? Tu vas prendre un peu plus. Une minute 10, une minute 20 ou une 30, d'accord? Mais tu peux prendre un peu plus que ta minute de repos. Parce qu'on n'a pas fait un exo, on a fait 3 exos en un, d'accord? Qui fait un gros exo. Oh. Là, je te cache pas, ce programme, il fait mal. Mais en musculation, si tu veux des résultats, faut avoir mal, il n'y a pas le choix. D'ailleurs, à l'heure où je te fais cette vidéo, on atteint les 3000 abonnés, donc je te remercie énormément pour la force, pour le soutien, aussi pour toutes les questions que tu me poses sur Instagram et tout. Si je peux répondre, je réponds. Si je peux pas, ben je peux pas, je te dirais c'est chaud, je suis pas compétent. Et voilà, merci beaucoup. 18, une 18, on y va. Allez, c'est la deuxième, large. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, serré. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. Là, ça fait vraiment mal. Ok. On n'est plus dans la rigolade. On n'est plus dans le petit programme marrant, petit programme détente. D'accord. On est vraiment dans la douleur pure et dure. Dans tous les cas, tu verras par toi-même. Quand tu feras ton sport, ta petite séance quotidienne, au bout de peut-être un mois, deux mois, tu verras les progressions, tu verras ton évolution. Mais tu vas te dire, ah, il m'en faut plus. Il me faut plus de sensations. Il faut que je développe plus mes biceps, il faut que je développe plus mes pecs. Et ces programmes-ci, ces programmes-là, ils vont te faire mal, et ils vont te faire du bien, et ils vont te faire progresser. Je cherche mon eau, et mon eau elle est là. Parce que là, là...
Moi, tu vois, ces programmes-là, c'est ceux-là où je ressens le manque de BCA dans mes compléments alimentaires. Je ressens vraiment le manque de BCA. Vraiment. Oh. Ou de créatine, ou ce que tu veux. On m'a beaucoup parlé de faire des vidéos sur des compléments alimentaires. J'en ai déjà fait, mais je pense que je vais faire des updates un peu et te parler de tout ça parce que c'est intéressant. Et j'en consomme pas actuellement, mais je vais bientôt faire une commande. Ou alors, si je suis un youtubeur, normalement, tu sais comment ça va se passer. Allez, on y va. 1 minute 30. Hop, large. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Largeur épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez. Oh. Hey. 7, 8, allez. 9 et 10. Oh. Il manque une dernière. Je pose les haltères. Je souffle un peu histoire que la congestion redescende un peu. Tu peux faire ça. Parce que là, on est sur un exercice dur. Et là, je reprends. Mais si tu sens que tu peux aller tout de suite, va tout de suite. Ok ? 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 6. Oh. 7, 8, 9, ok, et 10. Très bien. Je sais pas si on m'entend bien avec les poids qui font du bruit là, mais le plus important, c'est que notre série elle est validée. Il en manque une dernière. Là, je vais prendre mon retour caméra, je vais voir si on voit bien. Là, mon biceps commence à être bien congestionné. Même si qu'on voit pas trop avec ma lumière qui est un peu forte. Mais là, je commence à être bien. Vraiment. Oh. J'ai pris 3 gorgées. Oh. Normalement, c'est 1, 2, 3 si vraiment tu sens que t'es en train de mourir. Mais ouais, là, je sentais que c'était chaud. J'en ai pris 3. Alors, en musculation. Quand on arrive à ce cas-là, le cas que j'arrivais tout à l'heure où c'était dur, j'ai posé les haltères. Tu peux le faire, d'accord ? Et tu dois le faire. Il faut savoir un truc, plus t'as du muscle, plus tu congestionnes vite. Et plus ta séance fait mal, d'accord ? Donc une petite pause, il faut la faire, d'accord ? Il faut la faire. Et moi, ce que je recommande de faire, ce qui est bien, c'est que tu poses les haltères, tu comptes 5 secondes tout doucement, et tu continues. Le plus important, c'est d'aller au bout, d'accord ? Si par exemple, au premier exercice, je le fais, j'en peux plus, je pose les haltères, 5 secondes, hop, deuxième exercice, je pose 5 secondes, troisième exercice. Je pense qu'on va faire ça pour la dernière. D'ailleurs, il est déjà 1 minute 30, on repart pour la dernière. Allez, dis-toi, c'est juste l'exercice numéro 1. Allez, large, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Je pose des haltères. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Largeur des épaules, enfin hauteur des épaules. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Allez, 6, 7, 8, 9, et 10, ok, 5, 4, 3, 2, 1, prise serrée, on y va, là ça fait mal, ça fait vraiment mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, et 10, ok. Oh. Oh.
J'ai un petit temps de repos. Hop. Je mets mon quatrième petit trait. Très bien. Donc, là, tu prends 3 ou 4 minutes de repos. Et on passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2, on va se faire du curl biceps en prise marteau. Et juste après, on va balancer des doubles en marteau. D'accord ? Toujours pareil, 10, 10. Le curl biceps en prise marteau, c'est bien pour le pic du biceps, mais aussi pour les avant-bras. Très important, avoir des beaux avant-bras. Allez, c'est parti. Et c'est l'un de mes exercices préférés. Juste derrière la barre Z. Allez, on y va. Hop, 1, hop, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, allez, et 10. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. Le trait, hop, et le temps de repos. Cet enchaînement-là aussi, elle fait très mal. D'accord ? Pour info, j'ai pris 3 minutes de repos du premier exercice. Là, je sens encore que ça fait mal, et c'est normal. C'est normal. Je sais qu'il y a des gens, quand ils font de la muscu, ils font une série, ils ont mal, et ils prennent un temps de repos jusqu'à ce qu'ils ont plus mal. Non. Tu prends un temps de repos suffisamment long, enfin, entre chaque série, une 30, pas plus, mais entre chaque exercice, 2-3 minutes. Tout dépend de l'intensité de l'exercice, et tu peux te rajouter une quatrième minute, maximum. D'accord ? Mais si t'as encore mal et ton temps de repos est fini, tu pousses, d'accord ? Et c'est comme ça que tu progresses en te faisant mal. La musculation, c'est ça. Parce que si c'est genre, je fais une série, genre là, tu vois, j'ai mal, je sais qu'au bout d'une minute 30, j'aurai encore mal, bah je vais repartir. Et c'est comme ça que je vais progresser. C'est comme ça, c'est en se faisant mal, d'accord ? Et là, on se fait mal ensemble. Parce que là, c'est l'un des seuls programmes. Et je pense que ça va être le seul programme point faible que je vais vraiment me faire mal avec toi, notamment au niveau des bras. D'accord ? Là, je me fais mal avec toi, j'ai mal. Là, je pousse avec mes charges, là. Parce que 14 kills, parce qu'on a 14 kilos, à 14 kilos, c'est là où je fais des enchaînements et tout. Ou alors, en salle de sport, il m'arrive de prendre beaucoup plus lourd et pour la fin, de prendre léger. Mais là, ça me fait déjà mal, ça. 1 minute 30, on repart, mon gars. Hop, c'est parti. Unilatéral. Une, deux, allez, trois, c'est rien, c'est rien, c'est dans la tête, quatre, allez, cinq, six, tiens, on travaille dans l'ombre, allez, sept, personne ne nous regarde, huit, on est tout seul, neuf, dix, allez mon gars, on va leur montrer, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, balance, 7, 8, 9, et 10, ok. 2, je mets mon temps de repos. Là, comme je t'ai dit, on travaille dans l'ombre, d'accord ? Personne ne nous regarde. Personne ne nous regarde. Personne n'est là pour surveiller. Personne n'est là pour voir si on fait un mauvais mouvement ou pas. Personne n'est là pour nous déranger. On est là pour travailler dans l'ombre, évoluer dans l'ombre et montrer à tous ceux qui sont foutus de notre gueule qu'on a progressé, qu'on est là maintenant, d'accord ? Qu'on est là. Que maintenant, plus personne va nous chercher la merde. On va atteindre notre physique et être bien. C'est très important. Là, je me sens plutôt bien parce que la première... Le premier exercice était dur, mais là je suis en train de ma séance. Là tu mets une musique. Je prends plus de temps de repos, c'est fini. Ouais, clairement. Mais bon, la musique, c'est un gros facteur de motivation. Vraiment un gros facteur. C'est pour ça que moi je te donne les clés. La séance, tu peux la faire une, deux fois avec moi.
maximum. Si je te motive, si t'aimes bien qu'on la fasse ensemble, fais-la tout le temps. Mais si ça te fait chier, clairement, mets la musique, balance ta séance. C'est important, d'accord? Bon, moi, ça me ferait moins de vues, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que toi, tu progresses. C'est que toi, t'as cherché un programme, t'as trouvé ton programme, et là, tu progresses avec le programme que t'as trouvé. C'est le plus important, clairement. T'as plus aucun compte à me rendre après, d'accord? Le seul compte à me rendre, c'est un petit like, un petit commentaire, c'est tout. Mais après, le plus important, c'est que tu progresses. 1 minute 32, on y va, on repart. Allez. Hop. 1. Oh. 2. Allez. 3. Oh. 4. Allez. 5. Allez. 6. Allez. 7. 8. 9. Et 10. Mon gars, on va leur montrer. D'accord ? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Troisième petit trait. Hop, effacé. Bam. Comme pour le premier réseau. Si tu sens que tes 10 répétitions en prise marteau unilatérale te font mal, tu peux poser tes haltères 5 secondes et tu repars, d'accord? Tu les poses 5 secondes et tu repars et tu balances ton double marteau, d'accord? Moi, je me sens plutôt chaud, je me sens plutôt bien, donc je balance directement, d'accord? Parce que moi, je suis un fou aussi, ok? En tout cas, oh, là, je suis essoufflé. Mais je me sens bien, je me sens plutôt bien. Et là, on n'est pas dans la technique, d'accord? On n'est pas dans le mouvement correct et tout. Parce que en musculation, t'as des gens qui vont dire oui, fais un mouvement correct et tout. Là, quand tu travailles comme ça, tu pousses avec tes nerfs, tu pousses avec ta rage. Et tu pousses pour évoluer aussi, d'accord? Là, t'as pas besoin de voir si tu fais un bon mouvement et tout. Parce que si tu fais que des mouvements corrects, tu vas pas tenir, d'accord? Si tu as des mouvements contrôlés, tu vas pas tenir. Il faut un léger balancement, il faut y aller, d'accord? Faut aller chercher. Après, il faut faire n'importe quoi non plus, mais faut aller chercher ces répétitions. Faut aller chercher ce biceps. Il faut aller le chercher et aujourd'hui, on va le chercher ce biceps. C'est très important, d'accord? Et en musculation, tous ceux qui vont te dire oui, faire des mouvements corrects, ben, ils sont passés par là pour progresser. Et une fois que tu as fini cette étape-là, là, tu pourras parler de mouvements corrects, d'accord? Mais là, on n'est plus dans le correct, là, on est dans la destruction pure et dure. Une 31, on repart. Pour la dernière, c'est parti. Allez. Une, ok. Deux, ok. Trois, très bien, allez. Quatre, c'est la dernière, on a dit. Cinq, c'est la dernière, allez. Six, allez. Oh. Sept, c'est la dernière. Huit, allez. Neuf, allez. 10. Là, tu sais quoi? On va poser les haltères. On va attendre. 5. 4. 3. 2. 1. Et on va balancer nos 10 dernières reps. Allez, c'est parti. 1. 2. 3. 4. Allez. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, très bien. Oh, je mets mon petit trait, très important. Hop, ma feuille est tombée, c'est pas grave. Hop, voilà. On met, enfin moi je vais prendre 3 minutes de repos, tu peux prendre 4 minutes de repos au maximum. Et on passe au dernier exercice. Troisième exercice, on va se faire du curl biceps unilatéral, hop, standard, le curl de base. Juste après, on va se faire du serré. 10 répétitions. Et ouais, c'est un programme qui fait mal. Un programme qui arrache les bras. Et c'est ce qu'on veut, c'est le plus important. Pour info, j'ai pris 3 minutes de repos. Là, je me sens plutôt bien. On va y aller, c'est parti. Et pareil, 4 fois 10 répétitions. Allez, hop. 1. Hop. 2. 3. Allez.
4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Serré. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Oh. Temps de repos. Mon petit trait. La prise serrée, c'est la prise qui fait le plus mal pour les biceps. Mais c'est la prise qui va te faire avoir le plus beau gain. C'est la petite veine, d'accord? Et aussi le pic du biceps. Donc on va bosser en serré. Que tu le veuilles ou non, on va se faire mal ensemble. Moi, je me suis fait mal pendant très longtemps. Je me suis fait mal pendant longtemps. J'ai carburé les biceps. Les biceps, c'est pas facile à travailler parce que c'est un muscle qui fait mal, d'accord? Il fait très mal et naturellement... D'accord, la douleur du biceps, elle est chaude, d'accord? Elle est très, très chaude à supporter. Mais nous, on est des guerriers, d'accord? On veut des gros bras et on va les avoir, ces gros bras. Très important. Donc, on va carburer la prise serrée, c'est important. Pareil, repos, 1 minute 30, je vais les prendre. Parce que je sais très bien que... Je peux repartir, il est... Là, il est 1 minute 7, tu vois. Je peux repartir. Mais la prise serrée à la fin, je vais pas l'assumer, clairement. Donc, je préfère prendre mon repos, mon long repos, 1:30, et bien repartir pour assumer tout l'exercice, d'accord? Oh. Oh. Dans mes programmes, j'aime bien mettre les exercices de base, d'accord? Parce que y en a, ils aiment trop faire des mouvements bizarres, alors que l'exercice de base... C'est eux qui font progresser, c'est eux avec les haltères. Allez, on y va. 1. 2. Allez. 3. Ok. 4. Ok. Allez. 5. 6. On va chercher. Allez. 7. 8. 9 et 10. Oh. Serré, c'est parti. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. C'est incroyable. 2. Ok. Alors, on n'est pas à Fitness Park. Les haltères font un boucan pas possible. On est à l'ancienne. On est old school, d'accord? Très important. Pour avoir cette sensation d'ancien, tu vois. Oh. Oh. Là, pour l'instant, tous mes programmes que je fais, c'est des programmes que tu peux faire à la maison avec des haltères ou avec des barres simples, d'accord? Je voulais aussi faire des programmes en salle de sport, mais le problème c'est que les salles de sport ne sont pas ouvertes partout pour tout le monde. Et ça serait bizarre de faire ça. Demain tu me vois à la salle, bon je te fais un programme. Si demain tu veux pas aller à la salle, la salle est fermée chez toi, ça sert à rien. Donc on fait que du poids de corps et les programmes en salle viendront. Parce que j'ai un objectif, j'aimerais bien faire ce format dans une salle de sport. Mais le problème c'est que... Enfin il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'en salle de sport, il y a beaucoup de monde. Ce qui fait qu'il y a des gens qui passent devant la caméra, il y a du bruit. Donc pour parler et tout, ce sera compliqué de bien m'entendre. Et la deuxième, c'est que moi, je voulais faire ça dans une salle où je suis tout seul dedans. La deuxième, c'est que je ne suis pas assez connu pour faire ça. J'ai des connaissances de patrons de salle de sport et tout. Mais je doute fort qu'ils me laisseront la salle tout seul ou qu'ils me laisseront le sort tout seul pour faire une petite vidéo. Mais arriver à un certain nombre d'abonnés, c'est plus simple... d'exiger ce genre de privilège. Et on va le faire. Ok? Allez. 1:32. On repart pour la troisième. Hop.
Une. Deux. Allez. Trois. Au moins bien haut. Quatre. Allez. Cinq. Six. Faut pas que je casse le matériel. Sept. Allez. Huit. Allez. Neuf. Et 10. Ok. Serré. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, et 10. Ok, très bien. Oh. Temps de repos. Hop. Troisième trait. Oh. Oh. En fait, ce qui fait mal, c'est pas l'exercice en lui-même. C'est le temps de repos et l'intensité de la séance. Ça, ça fait mal et ça, ça te fait progresser aussi. Oh. Je t'assure que ce programme-là, point faible, tu peux le placer. Après une petite séance bras, ou après une séance dos, ou après une séance pec, après n'importe quelle séance, tu peux la placer, cette séance biceps. Et crois-moi qu'en fin de séance, ça va te faire du mal. Les courbatures que tu vas avoir, elles vont te faire mal, mais ce mal-là, ça va te faire du bien. D'accord ? Et tu vas progresser avec ça. C'est le plus important. Nous, on veut des gains musculaires. On veut progresser. Et pour progresser, il faut se faire mal. On n'a pas le choix. D'accord ? On n'a pas le choix, mon gars. On n'a pas le choix. Tout est dur. Et on va récolter ce qu'on a semé. La musculation, c'est beaucoup de travail dans l'ombre, beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. C'est comme tout, c'est comme moi avec les abonnés YouTube, tu vois, c'est du travail, des efforts et de la patience. La muscu, c'est pareil. Moi, je suis pas arrivé du jour au lendemain comme ça, d'accord ? J'étais beaucoup seul, j'étais longtemps seul, j'ai travaillé seul, j'ai subi des moqueries, tout. Mais j'ai poussé, tout seul, encore et encore. Et je suis allé chercher mon physique, d'accord ? Aujourd'hui, je suis content. Et ceux qui ont critiqué, ils veulent que je les coach, et je les coach. Enfin, du moins, je leur fais des programmes, des petits trucs. J'aide tout le monde maintenant. Je m'en tape. Aucune rancune. On y va. Dernière. Une. Ok. Deux. Trois. Allez. Sa dernière. Quatre. Cinq. Sa dernière, on a dit. Six. 7, allez, 8, 9, allez, et 10, ok, serré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, et 10. Ok, très bien. Oh. Oh, je fais mon petit trait de validation de fin de séance. Ok. Bon, cette séance est terminée. On a bien exposé les bras. Si t'as aimé cette vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, merci pour les 3000 abonnés, parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, on a atteint les 3000 abonnés. Donc je te remercie énormément pour la force et tous les commentaires et le soutien. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, c'est pas fait, et aussi à mon Instagram, qui a le même nom que la chaîne YouTube. Et moi je te dis, porte-toi bien, et à la prochaine pour la suite.